Vendredi 9 décembre 2016, le collège Lucie Aubrac accueille un événement particulier. Donc bonjour, on est en direct du collège Lucie Aubrac, on est le 9 décembre 2016, présent de l'équipe Découvrir ensemble des captivités. Donc c'est la journée sur la laïcité, on est prêt à faire une grosse journée pour eux et on aura préparé plein de jeux. Des élèves de 6e, informés auparavant sur la laïcité, ont pris part à l'animation des différents ateliers auprès des autres collégiens. Le rush était le temps de la récréation et beaucoup de monde. Et là, entre la récréation et le temps de la demi-pension, on accueille les classes de permanence. Donc là, on a 3 classes. Et voilà, donc là, on va travailler, on va être plus posé avec eux sur les questionnaires, sur les stands photos avec les slogans qu'ils choisiront et ensuite ils doivent expliquer. Liberté, égalité, fraternité. Non au racisme. C'est propre, vous avez choisi ces slogans-là. Je respecte chaque religion. J'ai choisi ça parce que mes deux parents sont de religion différente. De la 6e à la 3e, les collégiens se sont montrés intéressés par le thème. La journée a permis de définir le mot laïcité, qui n'était pas toujours très clair dans l'esprit de tous. En fait, la laïcité, c'est l'égalité filles et garçons. Et c'est une loi contre le racisme. Et on respecte les religions. On ne fait pas de différence. Une vidéo a aussi été projetée afin de créer un débat et de lever les dernières incompréhensions. Devant la loi et le service public. En effet, quand on est laïque, ça veut dire qu'il y a des valeurs, des lois qu'on respecte, des principes. Oui. Et les religions. Le mot laïcité, il est tellement galvaudé que je me suis dit qu'il faut que mes élèves, dans le cadre de la citoyenneté, que ce mot-là devienne le leur. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le carnet de correspondance, la page numéro 2, c'est la charte de la laïcité. Et donc, avec le service jeunesse de la commune de Champigny, nous sommes contactés et nous sommes en train de travailler une fois par semaine sur ce domaine-là. Afin d'atteindre le plus grand nombre de jeunes, les animateurs ont également échangé avec les élèves pendant les temps de permanence. Cela a donné des débats très riches tout au long de la journée. Non au harcèlement. Vous recevez une éducation laïque qui permet en fait à chacun de venir, peu importe sa religion. C'est la laïcité, ça aussi. Elle permet la libre expression des convictions dans le respect de celle d'autrui et dans les limites de l'ordre public. Merci. Ah, voilà, applaudissements.